N'est-il pas stylé ce bon vieux Marius Titus là? Salut à tous, c'est Kiwi, on retrouve le soldat Marius Titus donc pour le 11e épisode de Rise Son of Rome. Les petits amis, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. On va pouvoir aller mettre le feu à l'aqueduc. Et faire descendre Commodus dans l'arène. C'est même pas écarté quoi, même pas peur. Au cours des 10 dernières années, j'ai vaincu toutes les nations qui ont osé défier l'Empire. Je suis le plus grand général que Rome et son peuple aient jamais connu. Aujourd'hui, vous avez eu l'honneur, oui, l'honneur d'assister au massacre de tous les gladiateurs qui m'ont affronté. Ces gladiateurs, autrefois craints et adulés, gisent maintenant sous vos yeux. Et c'est moi! Oh, l'empereur qui s'ennuie. Votre général! Votre sauveur! On en parle que je suis sorti de la forêt des Minotaures, là? Aquilo, je dois t'avouer que je suis très inquiet. Ouais, moi aussi. Pourquoi donc, mon empereur? Ce Damoclès s'est battu comme un lion toute la journée. Il ne semble même pas fatigué. Votre fils ne risque rien, mon empereur. Je me fiche de ce qui peut arriver à cet abruti. Je crains pour ma bourse. J'ai parié une fortune sur sa victoire. Ah. Je ferai ce qu'il faut. Votre bourse ne craint rien. Or, n'est votre abruti de... fils. Ton sauveur! T'as peut-être pas parié sur le bon cheval là. Vas-y, mets ton masque. Arrête de papoter là et descends m'affronter là. Bon, du coup, on est tous les deux en haut. Donc... voilà, voilà, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Ouais, c'est ça, ouais, cache-toi. Ouais. Toi et ta grosse tête de faible. Tu dis que tu protèges Rome? Qui te protégera de moi? Commodus. Fais le barbeau là. Oh, ça fait mal, les dents. Tu sais pas te battre, hein. Tu sais pas te battre. Mais j'aime bien ce petit combat là. Ça met en appétit. Oh. Ça va faire mal ça. Aïe 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 aïe. Tu vis tes dernières heures, espèce de chien galeux. Sois maudit. Tricheur. Ne suis-je pas le plus grand? Attends, tu parles en taille ou... j'ai pas compris là. Le plus grand jeteur de sable. Allez, Damoclès. Quoi? Viens te venger. T'as fait ici, un Kazebuchine. C'est moi, Commodus. Non, imbécile. Je suis Commodus. Je suis Commodus. Le non. Spectacle est terminé, Damoclès. Lequel de ces formidables guerriers est le vrai Commodus? Je pense que c'est toi. Lui
Non. Regarde, je pense que c'est pas lui. Parce que sinon, il se serait pas fait buter comme une mieldas. Oulala, oulala. T'inquiète pas. Regarde, c'est pas lui non plus. Le mec, il ose me faire un Kazebuchi no jutsu. En plein combat d'arène à Rome. Je pense que c'est lui le vrai là. Celui qui est sur ma. Celui qui vient de me taper là, voilà, là, lui là. Non, non, non. Donc c'est pas lui non plus. Moi je vous le dis là, c'est lui là-bas à gauche là. C'est lui là, voilà. Moi la paix, je vous retrouve juste après. Tiens, je t'ai piqué. Juste pour te rappeler que j'arrive. Toi aussi tu vas y rester. Ah, attends, j'en ai pas fini avec ton pote là qui ne sert à rien. Voilà. Donc c'est pas toi. Et je savais que c'était toi. Eh ouais. Eh ouais. Tu vois quand je suis bon. C'est que toi qui frappe en rouge. De toute façon. Waouh, ça fait mal ça. Oh. Non, fais pas ça. Fais pas ça. Non. Non, vas-y. Mais non. Marius est vaincu. Bah oui, Marius est vaincu. Bah oui. Bah écoutez. Ne dites pas qu'on reprend tout le combat parce que là je pleure. Hein. Lequel de ces formidables guerriers ? Pas possible. On se refait une dernière fois, si j'échoue, il y aura un montage. Lui. Ou alors je les exécute tous comme ça. Vas-y, je tente de vous fracasser super vite. Voilà. On en termine rapidement avec vous. J'ai dit rapidement. Parce que c'est toi là qui m'embête là. Voilà. Oh, tu m'as eu. Je suis mortellement blessé. Et je regagne toute ma vie. Là, par contre, je ne sais plus c'est lequel là. Ah si, c'est bon. C'est toi le vrai. Mais bon, j'ai compris. Voilà,
reprends un peu de life et je m'occupe du vrai. C'est parti. Pas d'autre erreur, hein. Cette fois-ci, j'essaie de ne pas me planter. Vas-y, viens. Non, vas-y. Tu m'as gavé. Par contre, tu sais te battre, hein. Non. Ah. Bien. Est-ce que je vais m'en sortir cette fois-ci? Attention, suspense, les petits amis. Oui, magnifique. Encore, tu recommences. Oh là 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 là. Attrapez-le. Ouais, ok. Faut que je fasse quoi? Faut que je fasse quoi là? Ah, je peux rien faire. Oh, trop bien. C'était pas lui, hein. C'était pas lui ici? Non. Allez, achevez-le. J'ai pas envie d'y aller, moi. Tu ne devrais pas faire la même erreur que ton pote. Ouais, ah ouais. Vous faites trop dans la démonstration, les mecs, là. J'aurais bien vu la tête voler quand même là. Ça fait mal ce poison. Oui. Je ne peux pas prendre de risque, Damoclès. T'as triché, mec. Je sais que tu comprends. Je suis immortel, certes. Mais la foule est tellement volage. Un coup de toi et ma réputation sera ruinée. T'es immortel jusqu'à ce que je t'étripe, hein. Tu sais ça? Tu es un homme mort, Commodus. J'ai toute ma life là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te montres à la foule comme ça là? Arrête avec ça là. Arrête. Arrête, je t'ai dit ça ne sert à rien. Tu vas mourir, mec. Tu vas mourir. Regarde, même pas, je t'esquive. Ah si. Ah si, faut quand même. Pas ton malin. Je t'ai laissé me toucher, là. Là aussi. Et là, c'est fini. Vous avez dit que mon fils ne craignait rien. Non, il ne craint plus rien, maintenant. Ni personne. Vu qu'il est mort. T'as plus de commode. Ah oui. Oui, oui, oui. Ta descendance est terminée. Oh, magnifique. Je suis Damoclès. This is Sparta. L'esprit de la vengeance. T'es un peu essoufflé, mec, quand même, hein. Tu es le suivant. C'est pour ça qu'il avait peur au début du jeu que Damoclès le traque, là. Tuez-le. Tuez-le. Tuez-le.
Tuez-le, tuez-le. Je ne connais qu'un homme capable de se battre ainsi. Donc, t'es de mon côté ? Nous allons finir ce que ton père a commencé, Marius. Très bien, très bien. Je peux te faire confiance ou pas ? Allez, il faut sortir d'ici. T'as pas intérêt à me trahir. On va dire que je te fais confiance. Ces petites bougies sont du plus bel effet. Ces petites torches de feu aussi. Ça fait briller mon armure. Le Sénat n'est constitué que de vieux couards. T'as oublié les haines. Qui n'écoutent ni la vérité, ni la raison. Je les ai avertis pour les Bretons. Mais en vain. Pourtant, ils font de bonnes crêpes, hein. Commodus occupe les légions à ne rien faire. Tandis que la gigantesque armée barbare envahit l'Empire et sème le chaos en approchant de Rome. Les Bretons ? Oui. Et leur armée a décuplé. Tous les opposants à Rome l'ont rallié. Même les tribus des contrées lointaines ont envoyé leurs gigantesques bêtes de guerre. L'empereur et Commodus se sont fait des ennemis. Tellement d'ennemis. Dans tout l'Empire, ces barbares savent combien Rome est affaiblie par le règne de Néron. Ils viennent nous détruire. Détruire l'Empire. Puisque Commodus est mort, ils vont me demander de le remplacer. Et j'aurai besoin de mes meilleurs hommes pour pouvoir défendre Rome. Quand j'ai compris que c'était toi dans l'arène, j'ai préparé ça. Oh oui, ça brille. L'empereur doit mourir. Et il mourra. Mais avant, il faut sauver Rome. J'ai besoin de toi, Marius. Bats-toi pour ton père. Bats-toi pour ta légion. Bats-toi pour Rome. C'est pour ça qu'on va être à nouveau en mode soldat classique. Boudica, dont le sort avait autrefois reposé entre mes mains, dirigeait à présent une armée forte de milliers de tribus. Et leurs gigantesques bêtes de siège étaient à nos portes. Tous les maux de l'Empire étaient rassemblés dans la capitale. Nous devons tous répondre de nos actes, Néron. Mais c'est le peuple de Rome qui s'apprête à payer pour les tiens. Ah, Boudica. Ton ennemi n'est pas Rome, mais bien Néron. Qui a fait assassiner nos pères. Et nous obtiendrons vengeance. Mais si l'Empire de Rome venait à tomber, le monde serait plongé dans le chaos. La civilisation serait détruite. Je ne peux pas te laisser faire ça. J'ai sacrément la classe comme ça, hein, en version dorée là. Attends, Marius. Les défenses de la ville vont rediriger tous ces chiens vers cette place. Ils sont peut-être 10 fois plus nombreux, mais c'est nous qui aurons l'avantage dans cet espace confiné. Et si les dieux le veulent, Rome verra un autre jour. Ils arrivent. Attendez. Attendez.
Est-ce que je peux descendre moi aussi là? Est-ce que je peux descendre là? J'ai besoin de toi, Scorpion. Concentre-toi sur les cibles que vous voulez. Suis mes ordres. Arius, nous achetons en place. J'attends tes ordres. Allez. Oh, je les fracasse là. Marius, nos archers sont plus efficaces contre les gros groupes que contre les unités séparées. Voilà tous nos archers. Choisis tes cibles, Marius. Ça. Volée de flèche. Marius, les cultes de foi sont notre ultime défense. Utilise-les en dernier. Tu vas vous payer. Allez. On envoie du lourd là. Super productif là. Allez. Général. Leur guerrier approche. Alors. Les éléphants de guerre arrivent. Concentre. Les éléphants de guerre. S'ils atteignent nos lignes, la 14e légion sera perdue. Ah ouais, carrément. Concentre-toi sur les archers, Marius. Ça. Les trucs à, fracasser là. Allez. Il reste quoi là? Je vais l'exécuter. Je vais les exécuter. Alors. Maudit barbare ! Ils ont tué nos archers. À toi de jouer, Marius. Tu vas devoir les remplacer. Visez leur dernier. Ok. Voilà. Finito. Ah bon? Continue de tirer. Allez. On va y arriver, on va y arriver. Pas d'inquiétude. Voilà, c'est infernal. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Les guerriers, attention, ils vont percer nos défenses. Non, je pense pas, non. Ah. Encore un éléphant de guerre. Ah, c'est bon, c'est fini ou quoi là-haut? J'en ai marre. Hein, un éléphant, Marius. Ouais, un éléphant. Un éléphant qui se bat. Ah, c'est bon, c'est fini. Mais c'est pas possible ça. Arrêtez de tomber comme ça là. Par tous les dieux. Mais ils sont de plus en plus nombreux. Nous devons les contenir. Feu à volonté!
Je vais mener la contre-attaque, j'ai besoin de tous les hommes disponibles. Non, c'est moi qui vais la lancer. C'est du suicide. Je ne vais quand même pas te laisser récolter tous les honneurs. En fait, je pensais que je t'avais renvoyé chez toi. En même temps, la guerre s'est déplacée jusqu'à chez toi, alors j'ai envie de te dire, bon... pourquoi pas, quoi. Mais je pense que tu vas mourir. En avant ! Et là, il se prend une bonne grosse flèche, un bon gros headshot des familles. Il met des coups de tête, le mec. Ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas. C'est vrai qu'il a combattu à côté de notre père, hein. Aux côtés de notre père. Tu m'as l'air un peu énervé, toi, non? Ton papa est mort, mais bon. C'est pas une raison pour t'en prendre à nous, hein. On va voir tes talents de lancer le javelot. Pauvre éléphant. Éborgné dans la fleur de l'âge. Elle va te fracasser et je vais devoir te venger. Je le sens gros comme une montagne. Elle ouvre les yeux. Ah là 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 là, vive les casques, hein. Prêtez main forte à Vitalion, rassemblez des renforts pour aider Vitalion. Ok. Mais alors ça veut dire que dans un ancien épisode, j'ai dit qu'on allait fracasser Vitalion, mais non. La réserve de la 4ème cohorte s'est assemblée. Mais l'ennemi a percé nos lignes. Les assauts ont lieu un peu partout dans la ville. À vos ordres. Du coup je m'étais trompé de nom. Car Vitalion c'est le poteau quoi. C'est le sang de la veine. Je me suis un peu planté. Aïe aïe aïe. Ah, enfin un vrai soldat. Un centurion, il est tout. Tu vas le tuer. Non, je crois pas. Non. C'est toi que je vais fracasser, mec. Regarde ma barre. Regarde ma barre de rage. Regarde ma barre de rage. Est-ce que tu l'as bien vu là? Gain de rage. Et ça, c'est quoi? Je ne sais plus. Bonus de dégâts. Ah non, c'est le bonus du dégât. Bonus de dégâts, pardon. Gardez vos hommes dans le forum. C'est un peu mou tout ça, les mecs. Hein. J'arrive. Je vais vous apprendre comment on la se bat. Quatrième cohorte. Oui. Ah non, vous êtes, vous en êtes bien sortis en fait. Ah, vous êtes pas mal. Hein. C'est pas mal. Mais écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite dans le prochain, comme d'habitude. Je vous dis à plus, c'est buggé, il y a un mur invisible. Hop hop hop, ma voix qui a buggé sur la fin de la vidéo, les petits amis, je ne sais pas pourquoi il y a eu des petits bugs et du coup on ne m'entend pas dire le message de fin, donc j'étais en train de vous dire salut à tous et bye.